Quand j'ai dessiné ce que j'ai dessiné, je savais que par-dessus il y avait la boîte crânienne avec les orbites, la racine de nez, l'os nasal, l'arc temporal, l'arc zygomatique, l'os malaire, crête temporale, arc zygomatique, l'os malaire, je dis os malaire parce que je m'arrête juste ici au milieu, qu'il y avait les dents, qu'il y avait le changement de plan, qu'ici on trouvait la construction du globe oculaire. Le cours de modelage, c'est un cours complémentaire au dessin. Il va vous permettre de vous construire de manière concrète. De vous construire quoi? De vous construire les images anatomiques de manière concrète. Donc 1, 2 et 3. Pourquoi je vous parle de ça, de dessin, quand on fait la peinture? Eh bien parce que c'est un lien extraordinaire. Quand j'ai compris mon mouvement de mes yeux, à partir de ce moment-là, je peux faire ce qui m'intéresse. Au moment où j'ai placé le numéro 2, c'est parce que je souhaite qu'il soit le deuxième élément qui attire l'attention. Alors, ma base de gris.